Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais annoncé sur la vidéo précédente, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour ce que ma petite fille m'avait demandé de lui faire. Donc j'ai pas pu filmer par contre ce dessin coloriage que j'ai fait parce que je l'ai fait dans l'urgence, donc je n'ai pas filmé. Voilà, ma petite fille m'avait demandé, parce que bon, elle sait comment je dessine, elle sait comment je colorie, et sa prof, elle est en quatrième au collège, et on leur demande de décorer la première page de leur cahier, dans toutes les matières. Et là, elle m'avait demandé si je voulais bien lui faire sa première page de cahier d'art plastique, voilà, puisque tous les autres elle les avait fait, elle voulait que je fasse sa page d'art plastique. J'ai dit oui, malgré que ça ne fera pas la même chose que ses autres cahiers, mais elle voulait avoir une belle page pour ce cahier là. Donc, elle savait pas trop ce qu'elle voulait. À un moment, elle me parlait des crobards. Mais j'ai dit, ça, c'est papa qui sait faire. Moi, mon fils sait faire très bien les crobards. Moi, non. Et puis, bon, il n'a pas le temps, il travaille. Hein. Donc, j'ai dit, bon, je vais te le faire. Je vais chercher, je vais. Et donc, j'ai cherché, mais ça, j'ai trouvé très vite l'inspiration pour lui faire. Donc j'ai fait ça le soir, en fin d'après-midi. Donc il fallait qu'il y ait bien sûr le mot art plastique dedans, que je lui laisse de la place pour elle mettre son nom, tout ça. Et j'ai donc dessiné une manga écolière, qui, vous allez voir, je vais vous montrer, qui prend toute la place. La moitié de presque de sa feuille, et ensuite voilà, j'ai décoré, mais je vous explique ça tout de suite. Donc voilà, comme vous voyez là, c'est le moment où j'ai, là vous le voyez en crayon gris, je n'ai pas encore mis en, les couleurs. Donc comme vous voyez, je vais dessiner un manga, une fille bien sûr, écolière, donc avec sa petite mini jupe, son petit col, sa petite cravate comme les mangas ont, avec les mots art plastique un peu en mode, bon, j'ai fait à la main levée, hein, pour art plastique, des petits pinceaux en dessous pour souligner les mots, et donc voilà. Donc c'est ce que j'avais choisi de faire, mais ça m'est vraiment venu tout de suite. J'ai pensé que le manga, et puis bon, comme Ludovic m'avait demandé de faire un manga, j'ai pensé à ça tout de suite. J'étais quand même assez rapide pour le faire. Une demi-heure après, j'ai envoyé déjà la photo faite au crayon à ma belle-fille pour qu'elle lui montre. Et quand elle a vu la photo, donc du dessin, elle a envoyé un message vocal, et j'ai entendu ma petite fille dire « Waouh, ça déchire !» Donc j'étais super contente, donc ça lui plaisait, donc je pouvais attaquer la partie couleur. Là, elle adorait, donc déjà au crayon. Donc j'espérais qu'elle allait adorer aussi la partie couleur. Donc là, je vais vous montrer maintenant la partie couleur. Donc voilà, là vous voyez la partie faite en couleur. Donc je l'ai faite avec mes Polychromos de Faber-Castell. J'ai d'abord fait tous les contours avec mes stylos, c'est un feutre fait pour, exprès pour faire les mangas. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour les retrouver. C'est un stylo, c'est une, comment on appelle ça,
c'est comme un stylo feutre, mais très très fin, pour dessiner du manga. Donc j'ai tout détouré d'abord avec ce feutre noir, tous les traits que j'avais fait, laisser sécher, hein, parce que bon, on sait jamais, c'est du feutre, mais ça sèche vite, mais je préfère laisser sécher. Donc j'ai attendu un petit quart d'heure, et après j'ai tout gommé pour qu'il n'y ait plus aucune trace de crayon. Et ensuite, donc, j'ai attaqué la couleur sur sa petite manga. Et puis après, sur les mots art plastique. Et je trouvais que bon, ça fait qu'il me manquait quelque chose sur ce dessin. Donc, je lui ai fait un fond avec mes pastels tendres de Faber-Castell. Oui, je suis très pastel tendre en ce moment, je sais. Mais bon, je trouvais que ça faisait ressortir le dessin. Donc, j'ai fait un fond et j'ai fait des petits ronds un peu par-ci, par-là, avec ma règle à rond, avec les gel pen d'action, les paillettes, ceux qui font des paillettes. Donc, j'en ai pas mis beaucoup, comme vous pouvez voir. Mais j'en ai mis quelques-uns par-ci, par-là. Donc, c'est pareil. J'ai beaucoup aimé le colorier. J'ai beaucoup aimé le résultat. Et ma petite fille a adoré le résultat. Elle avait des étincelles dans les yeux. Elle a eu le droit à un gros, énorme bisou. Voilà. Donc, j'étais super contente de le faire. Et voilà. Donc, comme j'aime bien dessiner les mangas. Et donc là, je lui ai demandé, puisqu'elle avait cours avec sa prof, le lendemain, je lui ai dit, alors ta prof, qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, elle n'a rien dit parce qu'elle n'a pas regardé. Youpi! Donc, voilà. Mais bon, j'espère que bon, elle regardera peut-être la semaine prochaine, et puis on verra ce qu'elle dira, sa prof. Mais en tout cas, moi j'ai adoré le faire. Donc voilà, vous avez vu mon dessin manga. Alors, comme je vous ai dit, la prof n'a pas regardé. Bon. Je m'en fous, c'est pas pour la prof que je l'ai fait, moi c'est pour ma petite fille. Elle était super heureuse, donc c'était le principal. Voilà. Donc j'espère que ce petit dessin vous a plu aussi. Je suis désolée, je n'ai pas pu le faire en vidéo, mais je referai d'autres mangas en vidéo. Là, je serai moins prise par le temps, donc je pourrai faire des vidéos. Là, c'est vraiment ma petite fille me l'a dit jour même pour le lendemain. Hein, les enfants, c'est souvent comme ça. Hein. Donc, j'ai vraiment pas eu le temps de le faire en vidéo. Mais je vous en referai. Promis, juré, craché. Voilà. Allez, je vous laisse. Ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.